Bonjour. Là, je voudrais vous présenter la pompe à bélier de ma maquette. Et j'ai changé le bélier. Je l'ai remplacé par un clapet anti-retour Europa. Et nous allons voir comment j'ai fabriqué le bélier. Là, voici la cloche à air avec l'orifice pour le refoulement. Et avant de l'installer sur le clapet anti-retour, j'ai fraisé ce petit raccord de façon à éviter les pertes de charge. Le clapet anti-retour ici a été raccordé à la cloche à air et là on voit le refoulement. Pour créer le battement, j'ai utilisé un tube laiton de 5 par 6 et j'ai inséré la tige de battement du clapet anti-retour dans ce tube de laiton dans lequel j'ai inséré une tige filetée de 5 et un écrou ici pour la course. De façon à guider le mouvement, ici j'ai installé un tube de 6 par 8 en cuivre, brasé sur ce petit raccord. L'eau de fonctionnement du bélier sort par ici. Pour installer le clapet anti-retour donc, qui est devenu un bélier, et pour l'installer sur mon T qui est en 1 pouce, j'ai donc mis un raccord et je l'ai fraisé ici de façon à le rendre conique pour éviter les pertes de charge.